Bien, je considère le rôle de l'art dans la société comme c'est une fenêtre vers les possibilités. C'est la permission d'oser. C'est une ouverture d'esprit. C'est du jeu. J'aime le voir comme du jeu. J'aime penser que, tu sais, quand on est trop occupé, quand on a, c'est le sentiment de « OK, il faut que je m'occupe de mes besoins », là, on est comprimé. Quand nos besoins sont comblés, quand on se sent expansif, quand on se sent bien, mais il reste le jeu, il reste l'art, il reste les connexions, il y a de l'ouverture. Je vois l'art comme une ouverture à l'autre. J'aime penser qu'un artiste est un peu un précurseur, donne la permission d'oser voir qu'est-ce qui s'en vient, ouvre les horizons, ouvre l'imaginaire, raconte des histoires. Mon parcours nous mène pas mal en arrière. En fait, moi, ce qui me nourrit beaucoup, c'est la nature. C'est les grands espaces venant de l'Abitibi. J'avais accès aux grands espaces. Puis dès que je sortais de chez nous, je pouvais me perdre toute la journée dans la forêt. Puis c'est là que mon monde imaginaire et physique se passait. Fait qu'à l'âge de 17 ans, j'ai décidé d'aller à Montréal. Fait que partir de Val-d'Or jusqu'à Montréal. Puis j'ai fait un DEP en infographie. Puis après ça, j'ai fait un autre programme d'études en design multimédia. Fait que là, c'était comme borderline, le boom du web qui est apparu. Fait que là, il y a comme une ascension fulgurante. Il y a eu quelque chose qui se passait là, à ce moment-là. L'infographie était traditionnelle à ce moment-là. T'sais, avant ça, c'était plus traditionnel. Les outils informatiques, ils étaient présents, mais c'était devenu Photoshop, Illustrator, avec tout ce que ça apportait. Il y a comme une montée technologique qui était importante. Puis ça me motivait. T'sais. Il y avait quelque chose qui était effervescent, qui m'attirait. Fait que j'ai vraiment trippé à ce moment-là. Puis je me suis redéfini, j'ai découvert que j'avais quand même un talent là-dedans. Ça a mené tranquillement à explorer d'autres médiums, mais ça s'est fait progressivement. J'ai toujours été attiré par la peinture. Il y a quelque chose qui me plaît avec cette matière, avec le fait que ce soit physique, avec le côté non prévisible de ce que tu peux avoir sur la toile. Tu peux avoir une vision, puis ça donne d'autres choses quand tu le fais. Puis progressivement, le bois s'est installé. J'étais intéressé à faire de la sculpture sur bois. J'ai commencé avec des vieux ciseaux à bois cheap à sculpter un peu plus en rond de bosse. C'est pas ce que je fais en ce moment, mais là, je trouvais des morceaux de bois puis je les sculptais. Puis ça a évolué tranquillement à partir de ça. Ben, je vais te montrer ce qui se passe un peu dans le processus. Ça arrive souvent que, tu sais, j'ai des croquis ici qui sont pas nécessairement des œuvres. Ils deviennent pas des œuvres, mais c'est de la nourriture quotidienne, c'est de la pratique. Je travaille le mouvement, je travaille des potentielles idées. Des fois, tu sais, quand j'ai quelque chose qui me vient spontanément, ça va atterrir sur un petit papier comme ça, puis je veux pas l'oublier. Fait que j'y réfère quand ça me tente. Mais ça arrive sur des petits papiers. Des fois, c'est un petit peu plus élaboré. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, ça devient de la matière en stand-by. Des fois, comme dans ce cas-ci, c'est des œuvres qui évoluent vers quelque chose qui vont devenir, ou qui ont l'intention de devenir des œuvres. Donc, je fais des croquis comme ça. Ça, c'est une œuvre ronde qui va être en plus gros format, qui est prévue à être sculptée. Je pars d'un sketch comme ça. Puis, j'en ai un autre ici. Celle-là aussi, elle va devenir une œuvre. 32 pouces de diamètre. Puis après ça, je m'en vais à l'ordinateur où est-ce que je nettoie tout ça, puis mon concept devient un petit peu plus travaillé, altéré. J'y mets des couleurs. Puis là, si j'enlève toutes mes couches,
On va voir que j'ai mon sketch que j'ai numérisé, qui est à l'ordinateur. Puis, tranquillement, ben, je vais y mettre... Bon, là, si j'enlève mon sketch est en dessous, là, j'ai mis des formes par-dessus. Si je mets un fond, on voit que j'ai tout retracé les lignes, puis ben, j'ai fait une sélection des couleurs, puis ça me donne une base. Ça me donne une base pour savoir où est-ce que je vais m'enligner, un feel du rendu final. Puis, rendu à la sculpture, à la peinture, je me laisse une marge de manœuvre pour retravailler des aspects, mais ça me donne une bonne idée de départ pour y aller. J'ai l'impression que mon art est reconnaissable. Ben, on va revenir à l'esthétique, mais la fusion de mes habiletés en graphisme, l'aspect expressif, le mouvement qui se trouve dans mes œuvres, puis le fait que ce soit des œuvres sculptées murales, qui fait que j'en vois pas beaucoup, mais c'est pas pour me démarquer, c'est vraiment un intérêt. Je pense qu'il y a, beaucoup un aspect mouvement, abstraction, mouvement, qu'on peut reconnaître. Là, il y a beaucoup de... On remarque beaucoup de polarité, il y a des contrastes, des gros contrastes dans mon art. Je suis inspiré par la calligraphie japonaise, l'art japonais en général. Il y a quelque chose de contrasté, puis de simpliste, qui fait que pour arriver à l'essence d'un rendu qui me plaît, j'essaie de pas trop en mettre, j'essaie de pas me laisser trop emporter, puis de mettre l'essentiel pour que ça dégage un sentiment, le sentiment que je veux que ça dégage. En termes de ce que j'aimerais atteindre ou ma vision de choses à accomplir ou de où est-ce que je me vois, ça bouge vite. J'ai une attirance en ce moment. C'est le bois qui m'attire. C'est étant donné que j'ai passé 25 ans à travailler à aligner des pixels bien structurés, ça me fait plaisir de jouer dans la fluidité, dans justement transcender l'invisible, même si c'est un défi de transcender l'invisible dans une matière solide comme du bois. Mais le bois m'appelle. Je pense avoir encore beaucoup de... J'ai envie de développer beaucoup là-dedans. C'est quelque chose qui m'intéresse, donc je vois des expositions, je vois des collaborations. Collaboration, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus le dessus. J'aimerais ça hybrider un peu, tu sais, avoir un peu de ce que je fais avec d'autres collaborateurs. Voir qu'est-ce qui émerge de ça, puis la complicité. J'ai l'impression que les habiletés de chacun peuvent faire mousser quelque chose de super intéressant. Ça revient au jeu, ça revient beaucoup au jeu, là. J'ai envie de jouer. Fait que je vais te présenter l'atelier qui est... vraiment, c'est, ça se passe pas mal tout ici. Là. Après l'aspect numérique que j'ai présenté, il y a le sketch, le côté numérique où est-ce que je nettoie toutes mes œuvres, je les réoriente, puis je me donne un rendu plus fidèle. On en voit là, de ce qu'on a vu à l'écran, je me donne des approximations de ce que ça peut devenir. Fait que j'ai toujours ça en stand-by. Après avoir passé aux œuvres numériques, j'ai ma pièce de bois ici et mon projecteur de l'autre côté. Je viens projeter ce que j'avais à l'écran sur une œuvre. Celle-là est prête à être projetée. Donc, je vais pouvoir tracer les lignes, les grandes lignes, le squelette de ce que j'ai à sculpter sur cette planche, sur ce panneau de bois-là. Puis après ça, ça passe à l'étape de l'atelier moins propre où est-ce que je fais le travail du bois. Donc, avec la toupie, principalement, je viens creuser. J'ai des ciseaux à bois aussi pour nettoyer. Je vais te laisser de la place. Puis, c'est ici que je creuse mon bois. Quand c'est tout fini, sablé, je reviens dans l'atelier ici. Puis, je fais la partie peinture. Peinture-teinture. Celle-là est avancée dans la partie peinture. Il va y avoir quelques détails à rajouter, possiblement un fœtus ici, peut-être que non. Puis, donc ça se termine pas mal ici, à peu près sur la couche de finition. Le design graphique a pris beaucoup de place depuis le dernier quart de siècle.
Puis évidemment, ça nourrit ma pratique énormément. Ça rend mes arts, mon art un peu plus contemporain parce que je le choisis. En fait, je pense que je suis biaisé d'une certaine façon. Mon esthétique, c'est nourri du monde du design graphique, la direction artistique, le monde de la publicité, le monde culturel, mais promotionnel. C'est sûr que ça vient infuser quelque chose dans mon art. Puis évidemment, dans les techniques que j'utilise, parce que j'utilise beaucoup aussi les outils informatiques dans le processus artistique. Je vois une transition opérer en ce moment-là. Je vois une transition opérer où est-ce que j'accorde plus de temps, de plus en plus de temps à mon art. Ça me fait plaisir, ça me nourrit plus. Donc, une transition qui se fait. Probablement qu'il y en a un, l'art va prendre le dessus à un moment donné. C'est l'intention. Puis, donc, c'est en train de se faire. On dirait que pendant que les périodes de transition, ça fait déjà quelques années, puis le graphisme a descendu, l'art a monté en termes d'investissement de temps. Mais pendant les transitions, on jongle avec deux, tu sais. Tu sécurises ton quotidien avec ton travail, puis ton temps libre, ben tu le fais à créer de l'art. Un jour, tu sais, évidemment, en ayant mon temps, mon espace mental, physique, émotionnel, tout dédié à l'art, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner, tu sais, d'être complètement immergé dans l'art sans distraction, si on veut, malgré que ça me nourrit quand même. Quand je dis le graphisme nourrit mon art, mais tu sais, c'est des outils qui sont restés. J'ai tellement d'expérience là-dedans que ça va me rester. Je peux m'en servir pendant longtemps, puis ça va évoluer. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce que la transition entre le graphisme et l'art, qui est en train d'opérer depuis quelques années, va continuer de donner. Prendre soin de moi est une extension de mon art. D'avoir un mode de vie sain, de simplifier les choses, tout ça est un terreau fertile pour moi. Les connexions que je crée, la façon que je suis dans le monde, c'est de l'art exprimé différemment dans le monde. Puis si mon terreau est fertile, je sens que le reste devient des fruits. Mes œuvres deviennent les fruits. Mon terreau, il a été nourri, puis si je me sens libéré, si je me sens bien physiquement, si je me sens pas distrait ou avec la peur de quelque chose, l'espace est à la liberté, au jeu. C'est là que la magie opère. C'est vraiment intéressant. Fait que pour moi, on dirait que le plus gros du travail revient en arrière, de nourrir le terreau pour pouvoir laisser exprimer en toute liberté ce qui veut s'exprimer. Si je suis capable de faire ça, c'est un travail de tous les jours, si je suis capable de faire ça, de nourrir mon terreau, il va y avoir des beaux fruits qui vont sortir, là. Ouais. Moi, je pense que c'est primordial, l'art dans une société. C'est même pas... je trouve ça incroyable qu'on doive encore en discuter. Souvent les artistes, on doute. Je pense que c'est important de douter, là. C'est ce qui nous permet de nous renouveler puis de toujours rester dans l'humilité, là. Mais le sens de l'art, c'est un remède à la santé mentale, là. On a besoin de ça. C'est thérapeutique. Pour soi, là, en tant qu'artiste, de créer, c'est une thérapie en soi, mais de créer pour les autres, puis d'avoir un impact. Tu sais, souvent, comme artiste,
on se pose des questions sur l'impact qu'on a dans la société. T'sais, faire de la scène, c'est du divertissement avant tout. On sait jamais si on a un impact parce que les gens, ils nous écrivent, mais ils nous disent pas tout le temps clairement. Mais une infirmière là, ou un intervenant social, ben, il peut le voir tous les jours l'impact qu'il y a. Puis je pense que souvent, on a tendance à l'oublier quand on fait de la scène. Donc, quand on reçoit des messages du genre « Ah, ben tu m'as aidé à passer à travers ma dépression » ou « Le matin, je me lève, puis quand je vais pas, j'écoute ta musique », c'est hallucinant parce que ça donne un sens qui est tangible. Quand il y a un sens profond, on comprend l'importance de l'art à ce moment-là. Là. En fait, mon parcours artistique et mon parcours de vie. En fait, je vais commencer avec mon parcours de vie parce que c'est ça qui a mené à mon parcours artistique. J'ai commencé le piano, j'avais 4 ans. Je me rappelle très bien avoir vu un oiseau sur le bord de ma fenêtre puis avoir eu envie de l'imiter. Pour moi, c'était le piano, c'était une façon de m'exprimer et de représenter ce que je voyais autour de moi. Au début, ben c'était flou, là. Je comprenais pas trop comment j'allais y arriver, mais à force d'imiter un oiseau, par exemple, ou à force d'imiter la nature, le vent, l'eau, ben j'ai compris le pouvoir immense de la musique, mais aussi du piano précisément. Souvent, je dis qu'il m'a sauvé la vie, puis c'est pas un euphémisme, là. Il m'a vraiment aidé à grandir, à m'exprimer, à extérioriser mes émotions. Ça le fait encore aujourd'hui. Puis après ça, ben, je suis vraiment chanceux, c'est devenu un métier. Je suis très content de pouvoir gagner ma vie avec ça, en m'exprimant. C'est la plus belle chose au monde, en fait. Puis aujourd'hui, ben, mon parcours artistique, il se promène entre de la création, entre des accompagnements d'artistes, beaucoup d'improvisation, beaucoup de scène aussi. Je pense que c'est l'endroit où je me sens le mieux sur scène. C'est dur de répondre à la question de pourquoi cet instrument-là en particulier. Mais j'aime le son, j'aime la douceur qui m'amène. J'aime, en fait, il est capable de couvrir toutes les palettes des émotions que je ressens. Je suis quelqu'un qui peut avoir des émotions extrêmes, puis le piano, il est vraiment capable de tout couvrir. Quand je suis fâché, je peux vraiment jouer fort, puis je peux aller dans l'extrême douceur. Donc, j'ai envie de dire que c'est pour sa pluralité de ses couleurs que je suis allé vers cet instrument-là. Mais c'est aussi parce que ma mère a décidé de m'acheter un piano, tout simplement, puis ça a été le plus beau cadeau du monde, là. C'est vraiment le cadeau qui a changé ma vie. Fait qu'ici, ben, en fait, c'est mon studio. C'est ici que tout se passe. C'est ici que tout se crée. Ça, c'est mon setup qui est assez nouveau, hein. Moi, j'étais un acoustique au départ, mais je suis en train de découvrir un paquet de machines. Puis honnêtement, c'est un terrain de jeu incroyable. J'ai mes petits claviers, mes petits contrôleurs MIDI. C'est ici que je mixe. C'est ici que dans le fond, j'exporte tout ce qui est là-bas et que j'en fais des albums et que je fais des produits de musique à l'image et ainsi de suite. J'ai ma carte de son, j'ai vraiment tout l'équipement qu'on a besoin. Puis je travaille avec Ableton, qui est un espèce de logiciel d'enregistrement fantastique aussi pour faire des arrangements. C'est vraiment génial. Ce qui est cool d'avoir son studio, c'est que je peux créer à l'heure que je veux, quand je veux, à mon rythme, à moi. C'est vraiment le fun. Puis évidemment, ben, j'ai ce magnifique piano. Qui a une norme très particulière, qui a un son très particulier, un très vieux piano. Et ben je le laisse ouvert parce que je trouve que ça crée plus d'harmonie, que ça crée plus de richesse sonore. Puis évidemment, ben il y a plein de choses que je peux faire avec. Moi, j'ai été habitué à utiliser le piano dans sa pure essence, donc comme les pianos à queue et ainsi de suite. Mais avec ce piano droit-là, je me suis amusé... à créer une barre comme ça ici. Là, je vous dévoile les secrets, là. C'est pas rien aujourd'hui, là. Une belle petite barre artisanale comme ça avec des petits trombones et des feutres coupés à la main et une belle pole à rideau. À la base, comme ça, ça a l'air de rien. Mais vous voyez, quand je l'utilise pas, on a vraiment un son standard très clair que j'aime un peu moins. Et de moins en moins, en fait, j'aime beaucoup utiliser ce qu'on appelle le piano préparé. Dans le fond, c'est d'être capable de le mettre à son goût en le préparant à l'avance, puis avec les feutres, ben automatiquement, ça donne un son qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus feutré. Je trouve ça important à la base d'avoir un son qui nous plaît pour être capable d'obtenir. En fait, ça nous inspire à créer des choses, donc c'est vraiment vraiment super. En général, quand je crée, je pars toujours du même processus, c'est de faire le vide.
pour laisser émerger. Moi, la page blanche, je l'aime. Il y en a qui ont le syndrome de la page blanche. Moi, je l'aime. C'est pas un syndrome. J'adore ça parce que c'est pour mettre de la couleur, ça prend une page blanche. Donc, moi, je fais le vide. Après ça, je m'installe au piano et je laisse aller ce qui sort. Puis je peux passer beaucoup d'heures à improviser. Puis à un moment donné, ben, je sais exactement quand la mélodie, je l'aime. Ça vibre. Je le sais. C'est, pour moi, c'est clair. Mais évidemment, il y a beaucoup d'heures de musique qui ne servent à rien. Pour trouver une idée, il y a beaucoup d'heures derrière. Quand j'ai l'idée, ben après ça, je la développe. Puis je l'amène à un autre niveau. Parce que l'improvisation, ça va toujours être imparfait. Parce que c'est, il y a plein d'artefacts sonores, le banc il craquait peut-être, il y avait peut-être des éléments autour qui fait que je peux pas mettre ça sur un album. Donc je développe l'idée, puis après ça je l'amène à un produit qui est le plus parfait, mais en même temps le plus organique aussi. Moi, c'est hyper important que ça sonne organique. Donc des fois je laisse des sons ambiants puis ça me dérange pas. Mais pour moi il y a une distinction entre l'improvisation et la création. C'est un cadre la création. C'est comme si je venais encadrer. Un moment qui était spontané, tout simplement. Donc, toutes les pièces, que ce soit sur mes albums ou en spectacle, ils ont toutes été influencées par ce que moi j'appelle de l'improvisation spontanée.
Les inspirations sont très larges. En fait, ce que j'aime, moi, c'est m'inspirer de la nature, c'est m'inspirer des émotions, de la complexité humaine. J'étais un amoureux de l'humain, vraiment beaucoup. Puis j'ai l'impression que quand j'improvise, c'est des thèmes, c'est des sujets qui m'aident à improviser. Puis en spectacle, je m'inspire des gens. Je leur demande de me lancer des idées, je leur demande de m'inspirer. J'improvise même avec du monde sur scène parce que j'aime beaucoup la co-création. Et l'improvisation, ça m'amène justement à ouvrir cette porte-là de la co-création. Puis je pense que c'est une des choses que j'aime le plus, co-créer avec les gens. Il y a plusieurs façons d'improviser, on pourra sûrement en reparler, mais l'improvisation, pour moi, la façon que je la vois, c'est d'être déconnecté de l'intellectuel puis de se connecter directement, ça va avoir l'air cliché, là, mais au cœur et aux émotions brutes. Donc, je réfléchis pas trop quand je crée, quand j'improvise. C'est le plus spontané possible, le moins influencé par l'intellectuel. Tu sais, moi, j'ai étudié en classique. J'ai vraiment fait ce parcours-là où je devais interpréter des pièces comme il fallait qu'elles soient interprétées. Puis aujourd'hui, bien, quand j'improvise, je déconnecte tout ça. J'utilise ma technique que j'ai appris pour mettre en musique comment je me sens tout simplement. Je me suis jamais autant connu que depuis que je crée de la musique. Autrefois, j'interprétais du Chopin, j'interprétais du Bach comme ça doit être, avec un respect historique, avec un respect de la façon que ça doit être joué, et ainsi de suite. Un respect du style, bref. Avec tout le stress qui venait avec, mais je me connaissais pas, en fait. Je me découvrais pas à travers ça. J'étais comme un acteur, en fait, de ces pièces-là. J'avais ma personnalité, mais aujourd'hui, quand je crée, je sais exactement comment je me sens au moment où je le fais, puis je le sais l'impact que quand je vais le mettre sur l'album, puis quand je vais printer la pièce, ben à vie, ça va être cette émotion-là qui va être là. Donc, c'est fou, là. On n'est pas bien loin de la pleine conscience puis de la méditation de pleine conscience. On est là-dedans, en fait. C'est la conscience de l'état, puis je pense que j'ai réglé des choses qui dataient de longtemps, des blessures, peu importe, grâce à cette... à ce lien-là que je fais entre la musique puis le développement de l'humain, en fait. En tant qu'artiste, en fait, une des choses qui nous aide à garder le focus sur ce qu'on veut faire, c'est le doute, en fait. Pourquoi le doute? C'est que le doute fait en sorte qu'on veut toujours essayer des nouvelles affaires, qu'on veut se renouveler, qu'on tombe pas dans des vieilles pantoufles. Puis le doute, ben ça nous amène dans des zones parfois de vulnérabilité extrême ou de lâcher prise. En fait, la principale raison, moi, depuis un certain temps, de pourquoi je fais de la musique, c'est parce que je vois qu'il y a des conséquences, des bénéfices sur moi-même, en fait, sur mon développement personnel comme humain. J'évolue aussi vite que ma musique. En gros, ça m'a appris à aimer le silence. Ça m'a appris à aimer m'arrêter. Ça me fait réaliser à quel point le présent est important. Ça a développé mon écoute. Donc, moi, tant que je vais avoir l'impression que ça me fait évoluer comme humain, ben, il n'y a aucune raison que j'arrête de faire ça.